Good morgen, Aleiden, tu seras aujourd'hui l'Elo Nishmat, David Ben Fortuna, Mazal Fritna, Edvora Batester et Eliaou Venish. Si vous souhaitez vous aider d'une prochaine étude de Misha, contactez le 5 minutes éternelles. Nous étudions ma Sechet Nederim Perek Hemish Naderet. Areni Alecha Cherem Amudar Asso. Are At Alai Cherem Anoder Asso. Areni Alecha Ve At Alai Shneem Asurim. Ou Shneem Mutarim Medavar Shel Ole Bavel Ve Asurim Medavar Shel Ota Ayir. Introduction de la Mishnah d'abord, qui est très simple. Sujet bien connu, que cette fois-ci, Areni Alecha Cherem, je suis vers toi, en face à toi, un Cherem. Comme on avait dit ça, un anathème. C'est quelque chose que on a le droit de tirer aucun profit de ça, d'accord? Il est complètement. Comme si c'était quelque chose qui était sacré devant toi. Dans ce cas-là, Amudar Asur, toi tu es Mudar, c'est toi maintenant qui es engagé par le Neder que j'ai prononcé. Et tu n'as plus le droit de profiter de moi parce que je suis comme un cherem, je suis comme un quelque chose qui est ekdesh, un anathème. Maintenant, cas contraire, areat alai cherem, c'est pas que moi je suis face à toi un cherem, mais toi tu es pour moi un cherem. Areat alai cherem, toi tu es comme un cherem, comme un anathème, quelque chose qu'on appelle renoncer à profit, quelque chose de sacrifié, sacré, ouais. Et bien dans ce cas-là, anodera sur moi, j'ai plus le droit de tirer profit de toi, chose bien connue. Et si j'ai dit Areni Alecha Ve'atalai, moi je suis pour toi un cherem et toi tu es pour moi un cherem. Donc dans ce cas-là, Shnei Masorim, les deux ils sont mutuellement interdits. Et tout ça, vous allez me dire, ça on le connaît par cœur, depuis longtemps qu'on fait Nedarim, franchement, ça doit faire une trentaine de Mishnayot à peu près, à quoi ça sert? En fait, il y a quand même un petit ridouche, c'est que même si l'autre il agrée pas, il dit pas Amen, oui, t'as raison, il dit rien. Malgré tout, j'ai le droit d'interdire ce qui m'appartient à lui, ce qui m'appartient à lui interdire. Ce qui lui appartient à me l'interdire sans son consentement. D'accord? Relativement facile pour le moment, donc il n'y a pas eu de grand ridouche. Mais le grand ridouche, il arrive maintenant. La grande problématique, elle était maintenant. Donc, tu profites rien de moi. C'est pour ça qu'on a prononcé ce terme, la cherem, tout ce qui m'appartient. C'est un sacrilège si jamais tu touches à ce qui m'appartient ou si je touche à ce qui t'appartient. Maintenant, bon, c'est sympa de s'énerver et de prononcer des nedarim, de parler très haut. Mais ensuite, concrètement, qu'est-ce que je fais? On a plein de choses en copropriété. Vous allez me dire, non, c'est pas mon voisin. C'est vrai que c'est pas mon voisin, mais je sais pas, moi, quand je vais partir à la synagogue, j'ai le droit de partir à la synagogue. Et je paye la synagogue. Vous savez, je paye tous les mois ma horat keva de la synagogue. Comment ça s'appelle? Mon prélèvement mensuel à la synagogue. J'ai une part dans cette synagogue. Et le mikvé, le puits d'eau, toutes sortes de choses qui appartiennent à mon quartier. Vous savez qu'il y a un puits d'eau dans mon quartier, on va tous puiser l'eau de mon quartier. J'ai une part dans ce puits. Il a le droit de profiter. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on va faire? C'est la problématique qu'il va y avoir dans les deux prochaines Mishnayot. Je dirais les trois prochaines Mishnayot. Non, ça va se finir dans notre propre, dans la prochaine Mishnah uniquement. La problématique de définir qu'est-ce qui appartient à lui, qu'est-ce qui appartient à moi. Vous allez me dire dans ce cas-là, non, on va extrapoler un petit peu. Alors, peut-être que la synagogue va avoir un problème. Après quoi? Peut-être que je n'ai pas le droit de rouler sur la route aussi avec ma voiture. Et tout ce qui appartient à la ville de Jérusalem, j'ai une part dedans. Je paye mes impôts, je suis habitant, ça m'appartient. Peut-être que tu n'as plus le droit de rouler ici. Et moi, j'ai plus le droit de rouler. Alors quoi? Peut-être l'air aussi. Où on va mettre la limite? C'est la grande problématique de la Mishnah. La Mishnah, elle va nous jeter une généralité assez relativement floue, mais qu'on va quand même bien définir. Et puis ensuite, dans la prochaine Mishnah, hey, on va concrètement aborder des cas et les rapporter, et aussi les solutions, comment faire lorsqu'on s'interdit. Et la Mishnah me dit, écoute-moi, on va distinguer deux sortes de biens publics. On va dire comme ça, donc on a dit tous les deux qu'on est tous les deux, Areni Alecha Ve'atalai Shneem Asurim, moi je suis Cherem pour toi, toi t'es Cherem pour moi, donc tous les deux on est interdit. Alors, Veshneem ou Shneem Mutarim Medavar Shel Ole Bavel, Vasurin Bedavar Shalotaïr. Par rapport aux biens publics, on va distinguer deux choses. Il y a les biens qui appartiennent au Olé Bavel et les biens qui appartiennent à la ville. Les biens qui appartiennent à la ville, on n'a pas le droit d'en profiter parce qu'on est tous les deux choutafim. Mais les biens qui appartiennent au Olé Bavel, à ceux qui montent de Bavel, de quoi on parle? Bonne question. Eh bien, dans ce cas-là, on a le droit d'en tirer profit. Donc, on distingue ici, il y a deux choses. Il y a les biens qui appartiennent aux habitants de la ville, et les biens qui appartiennent même au Olé Bavel. En fait, c'est quoi ce Olé Bavel? C'est très simple. J'ai pris le cas d'Yerushalayim, c'est parfait. À Yerushalayim, c'est vrai qu'il y a des choses qui appartiennent aux habitants d'Yerushalayim.
Il y a des choses aussi qui appartiennent à tous les habitants du monde lorsqu'ils viennent, parce que tous les habitants du monde ont le droit de venir ici pour monter aussi à Jérusalem. On a pris le cas du Kotel, par exemple. Ouais, l'esplanade du Kotel, Arabaït, ça appartient pas aux habitants d'Yerushalayim, ça appartient à tous les juifs du monde. Donc en fait, on va distinguer qu'il y a deux choses. Il y a des biens publics, en fait, c'est des biens publics, mais ce n'est pas des vrais biens publics. C'est des biens publics qui appartiennent en réalité à plusieurs associés, précisément 900 000 habitants de Jérusalem. Donc on est tous associés, au lieu d'être deux associés, trois associés, on est 900 000. On est 1 million d'associés. C'est pas encore un bien public. Ça, c'est ce qui se passe avec les Bnei Otaïa. Mais il y a des biens qui s'appellent des biens publics. Ils appartiennent à tous les gens du monde entier. Alors là, c'est pas qu'on est associé à, je sais pas combien, c'est à 3 milliards de personnes sur la planète, ou 1 million, ou 50 millions de juifs, je sais pas. Mais en tout cas, c'est pas que c'est on est 50 millions d'associés. Mais y a plus, ça appartient à plus personne, précisément. Mais ça s'appelle que c'est Efker pour tout le monde. Alors c'est une notion assez délicate de comprendre comment est-ce qu'on va mettre la barre, la limite entre les deux. Il y a des, ouais, on a pris le cas de la Beth Knesset, la synagogue, le cas du Migvé, le cas de Migvé d'abord ça coûte une fortune et ça appartient à la Rabbanout, ou ça leur appartient pas, je sais pas. On a pris toutes sortes de choses, le jardin public du quartier. Alors sur ça, on a une question fondamentale à poser. Non, avant la question fondamentale, d'abord on va bien définir ce qui se passe. Il y a des biens qu'on les a donnés à tout le peuple d'Israël en supprimant la possibilité de l'exploiter ou d'en faire autre chose. Je m'explique. Il y a des biens que ceux qu'ils ont créés, ceux qu'ils ont amenés ici, ils ont fixé que maintenant, en fait, il y a le je sais plus comment ça se dit, le VAD, le conseil de la ville, il peut décider sur plein de choses. Il peut très bien décider que finalement, la synagogue, on va la détruire, la raser, construire un immeuble ici pour construire une autre synagogue en face. Les Shevat Tuvahir, il y avait un conseil, le conseil de la ville, où il y avait sept personnes qui siégeaient là-bas tout le temps, constamment. Shevat Tuvahir. Tuvahir, c'est les bons hommes de la ville. C'était les sept responsables, en général les plus sages et les plus actifs et tout ça. Eux, ils avaient le droit de décider de plein de choses. Ils avaient le droit de décider qu'on va vendre le Sefer Torah de la Beth Knesset là-bas pour aller récupérer l'argent et aller faire autre chose. Et parfois même pour faire un pidyon shvuim ou parfois même aussi pour enseigner la Torah. Parce que enseigner la Torah, c'est parfois plus... D'accord ? Ils ont un droit de pouvoir, avec des klalim, avec des règles et tout ça, ils ont le droit de décider de changer le statut de l'argent. Tout ce que les habitants, tout ce que le conseil de la ville, les Shevat Tuvahir, ont la possibilité de changer le statut, de vendre pour récupérer autre chose, ça signifie que la chose, elle appartient à la ville. Si elle appartient à la ville, elle appartient à tous les habitants de la ville. Donc, j'ai une part dedans. Quand tu n'as pas le droit de profiter de moi, tu peux pas profiter non plus de ce bien public. Alors maintenant, vous avez compris le principe. Alors, on va reprendre l'histoire de la grande rue de chez moi. Est-ce que tu as le droit de rouler chez moi, par exemple? La réponse, elle est oui. Parce que ça ne dépend pas des Tuvahir de supprimer la route. Ils peuvent décider, ils peuvent faire des travaux et tout ça. Mais ils n'ont pas le droit de supprimer une rue. Ouais, en général, ça appartient, il y a des choses qui appartiennent au Rosh Hashanah. Ne me demandez pas concrètement à Jérusalem, celui qui connaissait Jérusalem il y a 20 ans et qui connaît Jérusalem aujourd'hui, il voit bien qu'on a réussi aussi à supprimer plein de grandes avenues, tout ce qu'avant, Sderot Ben Zvi, où tout le monde passait, c'est devenu des immeubles. Je ne sais pas comment ça marche, je ne rentre pas dans le problème. En tout cas, en théorie, les Rosh Hashanah, ils appartiennent au Rosh Hashanah. L'esplanade du Kotel, on n'a pas le droit de décider que maintenant on va se mettre à construire quelque chose. On peut, pour améliorer ce qui appartient au bien public, on peut laisser, mais on ne peut pas essayer de décider que maintenant. Même pour les rues, on ne va pas décider comment on va détruire la rue, on va construire des immeubles ici. Et après, les autres, on va les faire passer de l'autre côté. Ou... Non, on ne peut pas le faire. On ne peut pas supprimer la propriété de ce qui appartient au public. Donc ce qui appartient au public, ça appartient pas au public, aux habitants de la ville, mais ça appartient, en fait, ça s'appelle que ça appartient plus à un public, ça s'appelle que c'est Hefker pour le public. Il n'y a plus de propriété du tout, c'est ça le principe, c'est le mot-clé. Hefker, ça signifie qu'il n'y a plus de propriété. Un bien... public, ça signifie que c'est un bien qui appartient au public. Un vrai bien public qui nous intéresse dans notre Michel Olé Régalim, c'est quelque chose qui n'est plus du tout de propriété, ça appartient à tout le monde sans que ce soit bon, sans qu'on ait la possibilité de changer le statut. En l'occurrence, donc, comme ce qu'on a dit, et sur ça, on aura la prochaine Mishnah qui va nous entrer dans plein d'exemples concrets pour nous dire ça oui, ça non. Mais pour le moment, donc, retenez bien l'idée. Retenez bien l'idée, il y a des choses que le conseil de la ville, ils peuvent décider de vendre, de changer le statut,
que maintenant on va le vendre, on va le vendre à un particulier, maintenant ça va devenir le bien d'un particulier, la synagogue ça va devenir le bien du particulier pour devenir, je sais pas moi, la grande, quelqu'un qui veut faire, qui veut se construire une maison super géniale, truc. Nous on va construire une Betaknesset en face, on récupère l'argent, on va faire autre chose, les Touvahir ils peuvent décider, ils peuvent même aussi être meuf qui a la Gdoucha, il y a la Chod, comment est-ce qu'on fait ça, c'est dans ma secrète Megillah tout ça, mais en tout cas c'est faisable, si c'est faisable ça signifie que la synagogue elle appartient à pas au monde entier, mais elle appartient aux habitants de la ville, et dans ce cas-là t'as le droit de profiter de moi. Tandis que, comme on a dit, les biens publics qui ont été transmis pour le monde entier, qu'on n'a pas le droit de les changer, on est obligé de les laisser. Alors là, dans ce cas-là, si même tu n'as pas le droit de profiter de moi, tu pourras profiter de ce bien parce que je n'ai pas de propriété. Je ne suis pas propriétaire de ce bien. Ok, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de bonnes choses. C'est là.